Zani. Voilà. Bon appétit, mes fidèles. Bon appétit. Voilà. Ceux qui ont déjà mangé, ceux qui sont à table, et ceux qui, voilà, peut-être le devoir, venez écouter l'évangile, voilà. C'est de comment vous voyez en là, au calme. Ouais. C'est de comment vous voyez en là. Venez, 1000 personnes. Zani. C'est de comment vous voulez s'exprimer. Oui, Zani. Oui. Est-ce que de comment vous lui n'a pas le temps. Attends. Venez. Zani. Il bien 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 quand même fan pour bien me yoak. Bah non. On prend les animaux là-bas en forêt, on les dresse, ça reste parmi les humains. Les animaux, les lions, les panthères, voilà. Je ne sais pas, tous ceux qui ont des canines là pour dévorer les autres ne vont pas demeurer en forêt parce qu'ils sont méchants. On peut les dresser et devenir gentils. Voilà. Là, on est évangile. Parce que moi, je franconte ce que je vois sur la toile, hein, des publications, des consorts. Donc, j'ai vu là-bas, là, si c'est à Genève. Voilà, les Bobby Tanap. Moi, je ne comprends pas, vous les femmes là, je ne sais pas si vous êtes mariées, ou ça, alors la vérité, c'est que. Nyat la panthère nous avait déclaré, il nous avait dit que parmi vous, vous les femmes, vous êtes dans la révolution pour chercher des hommes. Et c'est comme ça aussi les hommes sont venus dans la révolution pour chercher des femmes. Hein? Quels sont ces maris, hein, dignes de leur personnalité et tout, hein, peuvent laisser, voilà, leurs femmes aller présenter, voilà, Tanap. Hein? On a osé poser la question à Sandy de Boston. Que signifie les Bobby Tanap? Elle dit les saints de Bou. En bon. Sandy de Boston, tu as les saints de Bou? Dis-moi un peu. Tu as des saints de Bou? Quand on voit ta poitrine là, voilà, avec ta mama aussi, la mama qui te coupe. Moi, je t'avais vu avant de créer ton concept de Bobby Tanap. Tu nous as montré, je ne sais pas si tu es au Canada, si tu es à Londres, si tu es en Indonésie. Oui, tu nous avais montré, voilà, tu avais acheté le vélo maison pour commencer à muscler les jambes. Parce que tu t'apprêtais à beaucoup marcher dans toute l'Europe. Oui, tu as commencé à muscler. Hein, à pomper soi-disant les abdos. Comme moi, je continue à te dire, tu as des abdos d'Odane. Voilà, des gendarmes couchés. Ouais, avec ta population, voilà, qui te suit derrière. Vous avez des gendarmes couchés. Vous savez c'est quoi les gendarmes couchés? Les d'Odane. Oui, vous voyez. En agglomération, les d'Odane. Si tu vis avec la même vitesse, oui. Les gendarmes là n'ont pas de sifflots. Ils n'ont pas, voilà, ils ne donnent pas les amendes. Ça ne donne rien. C'est-à-dire, c'est des gendarmes. Bébé, nous coucher. Ils sont là, au calme, les policiers. Voilà tes abdos. Voilà ce que tu manques à la population. Les abdos d'Odane. Ça veut dire, les os que manquent les tableaux de chocolat. Mais toi, avec ton équipe de femmes, quelles bobies sont Tanap? Dis-moi un peu. Là où tu allais répondre, si c'est un journaliste, c'est quoi? Que les Bobby Tanap signifient les saints debout. Et j'étais tellement framponné dans le café chaud. Tu es parti acheter un soutien, oui, avec des grosses boucles ici, pour que ça puisse Tanap, les saints, au finish et à fouet. Mais hier, cette nuit, je te vois avec un petit soutien. Je ne sais pas, le petit soutien, voilà des mandarines, des citrons, des enfants, des petites filles de 11 ans, de 10 ans. Oui, des mandarines. Tu as serré ta poitrine que la respiration. Ça dit, je ne sais pas, t'as me cassé de Boston.
mari peut-elle laisser aller montrer ses abdos d'Odan qui voit, voilà, dans les quatre murs? Tu vas montrer ça à toute la population du monde entier. Vous ne voyez pas que vous êtes... Dites-moi un peu, vous voyez les policiers qui sont en train de vous stopper là? Les policiers qui sont en train de vous stopper, moi, je vais donc vous dire, quand vous arrivez bête du Cameroun, vous vous retrouvez ici, dans des pays là où les gens ont voté les lois, les gens ont travaillé tranquillement, tranquille, pas fait comme vous, pour que le pays avance. Vous voyez les gendarmes, les policiers, ils ne se cassent pas le corps. Mais sachez que l'homme blanc, il aime bien regarder, ça regarde. De toutes les façons, Wabobi Tanab là, hein? Vous êtes insulté. C'est-à-dire, Mayem qui? Je ne comprends pas. Vous insultez les dirigeants de ce pays-là et vous venez vous déshabiller pour leur demander, hein, de changer le Cameroun. Attendez, il y a la sorcellerie dans vos têtes. Dites-moi un peu, c'est Sandy de Boston. Déjà, tu as manqué de respect aux hommes. Moi, je ne peux pas t'accorder ça. Oui. Tu dis que les hommes n'ont pas de couilles. Ils ont des billes entre les jambes. Ouais. Les Remingono. Les Niak la Panthère. Les Kamwa la Panthère. Les Calibri. Les Bertin Tadjo. Le sorcier de El Chelouche. Tu as dit que voilà, ils n'ont pas de couilles. Bebele, voilà. Banbe bonbon. Donc, besikbe femme. Tu as dit ça. Tu as même quelle qualité de bouche? C'est quelle qualité de venin que tu as, voilà, dans ta casserole? Quelle qualité de venin? Tu veux manquer de respect à tout le monde. Tu insultes tout le monde. Même des personnalités, tu insultes. Tu les prends, voilà, comme ton couteau de boucher. Oui. Tout le monde dans ta bouche est devenu comme ton couteau de boucher. C'est-à-dire, tu les framponnes comme tu veux. Tu les insultes. À Sandy de Boston, toi et ton groupe, dis-moi un peu, c'est quelle qualité de psychologie? Vous êtes dans les pays des gens, vous insultez les gens, vous leur manquez de respect, vous piétinez leur drapeau et vous venez leur demander, hein, de faire ce que vous voulez. Ambon. Sani de Boston, toi tu as un visage comme moi aussi. Ton visage est tout le temps froissé, comme un bonhomme, comme un rebelle. Tu as quelle qualité de femme? Est-ce que ton mari respire même à la maison, si tu en as un? Est-ce que ton mari respire à la maison? Est-ce que depuis que tu as créé ton mouvement de Bobby Tanabla, ton mari ne souffre pas à la maison? Ça te demande de ne pas aller présenter son vieux corps, sa vieille ferraille dehors, mais tu fais comme bon te sens. Tu es en train d'autres femmes à venir montrer à la population, voilà, du monde entier que oui, on a toujours dit que les femmes noires, hein, ne sont pas comme, voilà, hein. Mais vous venez montrer ce qui est macabre. Vous avez roulé vos bosses. Vous avez roulé vos bosses. Hein? Sortez habillé. Réclamez ce que vous voulez habillé. Oui. C'est pas en vous rendant ridicule. C'est pas en vous rendant ridicule. Parmi vous, il y en a qui ne sont même pas enceintes, mais les nombreux sont ressortis. Les nombreux sont ressortis. Vous montrez ça. Moi, je sais que le nombril d'une femme ressort lorsque, oui, un mec a framponné quelque chose là-dedans. Oui. Mais vous, on ne sait plus. Vos ventres là où le nombril est placé, là où les seins sont placés, malgré que parmi vous, vos seins qui arrivent ici, parfois parmi vous, vous n'avez même pas des enfants, mais vos seins sont ici et vous dites que les Bobby Tanab, qu'est-ce qui Tanab? Qu'est-ce qui est Tanab? Dis-le Tanab. Ah bon? Vous sortez vos trucs là, hein, vos concepts là, toi à travers Bobby Tanab. Ambon. Bobby Tanab. Quelle qualité de Bobby Tanab? Et les petites filles qui ont des seins bien plaqués là, pas les longs machins.
Tu tombes vite, même sans enfant, même sans accoucher. Oui, il y a une catégorie de saints. Même à 60 ans, ça ne tombe pas. Même avec 10 enfants, ça ne tombe pas. Mais vous, vos longs sœurs qui sont accrochés là, oui, vous venez manquer ça. Chez les Européens. Pour que... Attendez, les Européens qui sont toujours là, qui calculent les femmes noires, qui veulent vivre avec des femmes noires, qui veulent épouser, changer de stratégie, en bon. En bon. Hein? Ça dit de Boston. Quelle bête écologie? Dis-moi un peu, là, c'est un jour ouvré. C'est un jour ouvré. J'aboie au travail. Là, je suis en pause. Mais vous, les jours ouvrés, vous faites quoi? Vous vous déshabillez dans tout le monde entier. Vous êtes devenus quoi, des animaux? Je vois là où nous vivons, les animaux, on les habille déjà. Hein, ne me dis pas, celui qui les caniche là, on les habille. Les animaux ici, il y a des magasins, voilà, des vêtements, des animaux. Oui. Mais vous, les êtres humains, vous venez vous déshabiller. Donc, vous nous démontrez ce que vous faites en longueur de journée quand vous ne faites pas de marche. Vous vous déshabillez partout. Et quand vous n'avez pas trouvé de compte, voilà, là-bas, là, vous venez marcher pour vous rattraper, pour vous faire voir. Parmi vous, il y en a qui étaient sous l'ombre. 30 ans ici, on ne connaissait pas. Même sa couleur, même son visage. À cause des marches, les paparazzi nous manquent même parfois. Ça dit de Boston, on a quelle qualité de femme? Quelle qualité de femme? Quelle qualité? Avec ton ventre là, tu vas trouver quelle qualité d'homme. Nous, on préfère vous graver étant habillé. Et même si on découvre, parce que moi je dis toujours, vous les hommes, quand vous voyez les femmes habillées, vous savez, c'est pas pour rien, la tenue, voilà, vestimentaire existe. C'est pour un peu de cacher nos petits défauts. Et nous les hommes, je suis la qualité d'homme. Si j'étais aimé, j'étais gravé et dit oui, j'aime cette personne. Et lorsque on arrive dans la chambre, je découvre que oui, c'est pas la même silhouette étant habillé. Je suis automatiquement, attends, je ne veux pas dire que je ne t'aime plus. Moi, de comment je veux continuer à t'aider, à t'aimer, parce que je sais qu'il n'y a que moi qui va regarder, voilà. Il n'y a que moi. Mais vous, vous nous démontrez ça. Qui va encore vous blaguer? Vous avez des mauvais abdos. Des policiers couchés. Des gendarmes couchés. Des longs seins. Des longs seins. Des longs seins. Ou alors, vous n'avez pas de moyens. Faites-en aussi des lettres pour faire comme la voleuse des normes. Allez en Turquie, allez en Tunisie. Faites-en à vos seins. Allez faites-en à vos seins. Ouais, allez faites-en à vos seins. Allez vous faire opérer comme vous voulez vraiment les bobby tanap. Parce que moi, de comment j'ai dit, moi, je regarde, c'est pas tanap. Même en achetant les soutiens gorge avec des grosses boucles, vos seins ne peuvent, ça n'étend pas vos seins. Sandy de Boston, ton concept est nul. Assis nul et nul. Et tu es louche comme femme. Parce que si tu as un mari, ce monsieur risque de tomber dans la dépression si tu continues. Oui! Oui! Mankou, dépression! Tu es que qualité de femme! Moi, de Kamamourou, je ne peux pas vivre avec toi! Oui! Moi, je dis toujours, comme j'ai dit, la voleuse de nom. Elle qui avait la voleuse de nom, c'est signé mon arrêt de mort! Oui! Et mes enfants vont faire comment? Mes enfants sont encore petits. Mes enfants, je suis encore obligé de parcourir toute la France. Voilà, pour leur donner de quoi manger. Mais vous, être avec une femme comme vous, vous qui balancez des longs seins qui arrivent aux genoux, vous portez des petits les soutiens-gorge maintenant des enfants de 10 ans,
des petites filles de 10 ans qui ont encore des citrons, des mandarines, pour que vos soeurs, vous les priez à l'intérieur. Et vous souffrez. Vous ne respirez plus bien. Vous risquez d'avoir mal à la poitrine toute vos vies. Si vous continuez à serrer vos poitrines, les longs sangs qui arrivent aux genoux. Moi, je dis, nous les hommes, on n'aime pas voir ça dans la rue, là où tout le monde a déjà vu. Voilà. Si j'étais aimé étant habillé, et que dans la chambre, je découvre que tu as les entendre coucher. Voilà. Et tant que quelqu'un les réfléchit, je veux continuer à t'aimer. Je vais aimer tes abdos d'âne, tes gendarmes couchés. Je vais aimer tes longs seins. Si tu as des longs seins, c'est la nature qui a voulu. Si tu as des petits seins, c'est la nature qui a voulu. En bon, quel genre de concept? Les bobitanap, vous faites de la cobo poussière dans toute l'Europe. Vous soulevez la poussière. Sali de Boston, tu es devenu le coq dans la basse-cour. Allô, Wama, mettez les gars, oui. Mettez les gars. Sali de Boston. Toi, tu es sous mon toit. Moi, je vais donc te dire la vérité et de comment m'ouvrir comme ça. Je cherche une petite gazelle d'or. Une petite gazelle au calme. Ça veut dire, j'ai affaire à une femme comme toi. Je cherche une petite gazelle. Ça veut dire, du moment que je comprends que voilà, tu es dans une bête d'écologie qui dépasse mon entendement. Je vais chercher là où j'irai souvent nettoyer mes lacs. Dès que tu commences tes machins, de comment me redémarre sa voiture. Ça pas nettoyer ses lames. C'est Julie, c'est Bernadette. Celle qui ne fait pas comme toi. Oui, moi je suis comme ça, je dis la vérité. J'ai affaire à une femme comme toi, sous mon toit. Tandis que je réfléchis pour avancer. Toi tu es là. Tu fais la soustraction dans mon esprit. Je cherche une gazelle dehors. Écoute. Tant pis si tu n'es pas quelqu'un de réfléchi. Tu vas peut-être dire que oui, il est sorti parce que il n'aime pas voilà, mon mouvement. Non! Je n'ai pas trouvé une gazelle dehors, là où je m'avais nettoyé mes larmes. Parce que quand tu te demandes, me fais pleurer, pas que tu me tapes. Quand tu commences tes histoires, tu commences à serrer le visage. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand les gazelles deviennent comme des, je sais pas, des rebelles. Je cherche une femme dehors, une gazelle propre. Savait-elle que je vais au restaurant, au cinéma, les petites sorties. Mais toi, je te laisse dans ton aboiement, dans ta bête écologie. C'est ça. Sandy de Boston, tes seins sont en abonné. Dis-moi un peu, à quel niveau? Moi, je vois souvent ici les femmes, même là-bas, là, quand je vais souvent en vacances au Cameroun. Oui, je vois les femmes. Il y a des femmes qui marchent sans caleçon, avec les cabas, sans soutien. Voilà. Mais les seins sont comme ça. Oui, mais vous? Pourquoi vous mettez les soutiens? Si c'est un app, laissez ne mettez pas vos gros soutiens de merde là. Laissez, on va voir comment c'est un app. Il y a au pays, il y a des femmes, ça met jean sans caleçon, ça met jupe sans caleçon, ça met cabas sans caleçon. La poitrine sans soutien, mais les seins sont, les fesses sont, mais toi, physiquement, parce que. Si tu n'étais pas dans la bétécologie, je n'allais jamais te framponner. Il faut que les femmes comprennent. Mais c'est parce que tu es dans une bétécologie qui dépasse mon entendement. Oui, je suis obligé de te dire des vérités. Des vérités qu'on doit cacher. Je suis obligé de te framponner. Donc, Sandy de Boston, toi et ton équipe, vos seins ne sont pas tanap, il ne faut pas mentir au monde entier. Si vos seins sont tanap, parfois ce sont vos maris qui font tanap ça en les levant, en assati, en pleine caresse. Oui, parce que ça arrive aux genoux.
là-bas dans les quatre murs, vos maris sont obligés, oui, ce sont eux qui font ta namousse dans les caresses, en les soulevant. Voilà, tout simplement pour que Satana, en dehors de ça, c'est des longues sœurs. Ouais, c'est de comme amour qui dit. Si on vient demander d'envoyer les c'est de comme amour. Ton concept est aussi nul. Je vous ai toujours dit, vos combats là, déjà, il y a déjà les assassins chez vous. Il y en a qui ont pris l'esprit de l'assassin, l'esprit de l'assassin de George Floyd là-bas aux États-Unis. George Floyd perd son âme. Il y a des combattants qui se bagarrent entre eux. Toi-même, tu insultes les hommes qui sont combattants comme toi, qui n'ont pas de couilles. Une femme, tu es devenu bonhomme. Le coq dans la basse-cour, le soulèvement de poussière de ça, à Kobo poussière. C'est ça, dans les pays des gens. Tandis que nous, on s'ouvre pour contribuer, pour qu'on vous donne un peu. Vous nous manquez de respect, vous venez nous insulter que nous sommes sales. On se lève tôt le matin pour contribuer au bon déroulement du pays, des pays, nos pays d'accueil. Vous nous insultez quand on vous tire des oreilles. En tenue de travail, vous venez insulter que voilà, les gens sont sales. Hein? Vous êtes même comment? Eux au moins, les jours ouvrés, ils ne sont pas là pour manquer de respect. Voilà, au pays d'accueil, vous manquez de respect à la nation, votre nation. Là où on a eu pitié de vous, vous manquez de respect, soi-disant parce que les droits de l'homme existent. Laissez-moi vous dire, ils peuvent vous dire aujourd'hui que allez chez vous. Vous risquez de venir nous mettre, contaminer votre sorcellerie de merde. Ça, c'est de comment mot. Et mon évangile sera toujours comme ça, là, voilà. Je ne demande pas la dîme à mes fidèles. Non. Je les transmets tout juste. Voilà la vérité. Ce qui est voilà, à comprendre et ce qui est incompréhensible. C'est-à-dire, je ne sais pas. Tout simplement, ce que moi ne t'accorise pas, ce qui n'est pas fait dans la logique. Je suis obligé de dire aussi au peuple que poser aussi des questions. Bien feu, à santé de Boston. Ou à sauver Wake. Hein? Tu es devenu le coq dans la basse-cour. Tu crées des concepts, les Bobby Tanap. Ouais, t'avais dit, hein, je t'avais envoyé un message. Voilà des réputés, voilà c'est la voleuse des noms. Un peu inutile dans votre bête écologie. Je parle de fleurs de lys. Un peu bien qu'une bonne Bobby Tanap. Dans la bête écologie, parce qu'elle-même, bête, tout simplement, bête. Et moi, étant donné qu'elle était quittée avec plusieurs dépressions au pays, avant d'arriver ici en France, elle est arrivée ici, elle en a eu d'autres, mais moi, je vais rajouter 237. S'il y a des dépressions dans son crâne. Voilà. Les combines. Dans mon Dieu vivant, tu payes les gens pour que des personnes qui te framponnent, tu fais des liétis. Tu prends l'argent des gens pour aller margouiller. Pour qu'on ne puisse pas publier les gens qui te framponnent, qui te disent les vérités. Mais comment vous s'en bat des couilles? Voilà. Je vous ai tout montré. Ma petite vie, ce que je récolte, voilà, en me levant tous les matins. Je vous ai montré, c'est pour ça que j'ai même dit, je vous dirai toujours quand je serai muté, mais je ne vous dirai jamais, je ne vous dirai plus jamais dans quelle ville je me trouve, parce que parmi vous, vous êtes des gros sorciers. Voilà. Vous êtes capables, voilà, de venir me faire la peau, la lâcheté, parce que Fafa, personne ne pourra, même si tu es Goliath. Ouais. Soyez un peu intelligent. Parlez avec la bouche. Répondez avec la bouche. Nous sommes dans un combat. Le combat, c'est avec la bouche. Ce n'est pas avec les bastonnades, des agressions et comme ça.
faire des plans, aller agresser, c'est pas ça. On parle avec la bouche, c'est un match de football. Après le match, on se retrouve tous ensemble, on boit des coups, on mange. Ouais, tout simplement. Et tranquille. Et ça ne va pas quelque part. Donc, vous êtes une bande de plaisanteurs et plaisantines. Voilà, je n'ai pas été à l'école. Et comme j'en veux, femme, homme, bande de plaisanteurs. Tranquille. Que ceci, cela. Vous croyez que ce qui se passe au Nozo, c'est d'accordisme? Si vraiment vous voulez que ça s'arrête, vous allez vous activer. Vous activer. Vous activer. C'est pour ça que je vous dis, ce que vous voulez du Cameroun, si le Cameroun devient comme ça là, Vassero, il sera, ça dit, il va devenir, il va commencer à framponner les gens, les max. Ils vont prendre l'argent de tout le monde. Vous n'auriez même plus de bouche. Regardez comment ils sont radicaux. Regardez comment leurs esprits, c'est que de la haine, tuer. Quelqu'un décède, ils sont contents, ils applaudissent. Ils sont prêts même à dire que je veux que tel meurt. Hein? Pour qu'il y ait un autre changement. Je veux que tel meurt. C'est de cette personne. Mais vous, le peuple, c'est pas ce qu'on dit. Voilà, ne prenez pas les Nivakis ou bien les Gorokins qui arrivent. Maintenant, en Afrique, on a mis quelque chose là-dedans. Eux-mêmes, ils vont vous aboutir. Vous allez devenir des Mongols. Avec ce genre de personnes, vous, le peuple, vous allez devenir des Mongols. Ils vont vous marcher dessus. Plus personne n'aura la parole. Moi, je dis, je vous dis, la bouche sauve et la bouche tue. Vos sorties sont souvent, parfois macabres. J'ai pour le Mingol, on était posé une question. Pourquoi chez vous, chez les combattants, tout le monde prend la parole? Tout le monde. Parfois, toi, tu dis le concret de ce qu'ils disent. Étant donné que tu es suivi, tu me fais comprendre que tu n'es pas un leader dans vos histoires-là. Parce que parmi eux, il y en a qui t'insultent. Oui, les camarades, la panthère insulte. Oui, alors que vous voulez un seul changement, et à nous, Wama, pitiation. Pitiation. Écoutez, moi j'arrête la vidéo. Sachez que je n'ai pas envie d'avoir des malfaiteurs comme on dit en Libye. Vous voyez maintenant, tous les gros cerveaux, des malhonnêtes, ils ont acheté des picots. Hein? Il y en a qui sont devant, il y en a qui sont derrière avec des gros fusils pour rafistoler l'argent des gens. Casser les maisons des gens. C'est vous qui faites en sorte que là-bas, là, on ose. Hein? Que ce ne soit même plus les gens qui réclament quelque chose. Que ça, des bandits. Vous envoyez des bandits pour que ça continue à framponner dans le sens négatif. Pour que vous aussi, vous continuez à faire vos marches. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parlez de folklore. Ignorant. Hypocrite. Malhonnête. Le voyoutisme de ça. Même les femmes sont déjà dans un voyoutisme à outrance. Sandy de Boston. Amban. Et quand je vois les calibro, Sandy de Boston a dit, tu n'as pas de couilles. Mais c'est toi, moi. On dit, j'ai pas de couilles. Une femme, même si on est pour une même cause, je deviens rebelle contre toi, pas contre tout le monde. Amban, vous voulez changer le Cameroun avec quoi? Le mensonge? Abrutir le peuple? Mentir le peuple? Hein?
les rats parmi comment déjà circuler en plein jour. Et dans les pays des gens, les rats parmi, quelle malédiction, le malheur de ça. Avant, quand on voyait un rat parmi en plein jour, ça dit, la population du village pleurait que qui va encore mourir, bidim, bidim, bidim. Moi, je vous ai dit, je ne mange pas la qualité des rats parmi là. C'est pas bon. Ça va boulonner dans mon ventre. Ben non, les rats parmi circulent en nuit. Oui, ça sort de leur clou dans la nuit. Hein? Mais rat parmi me fait. Est-ce que un jour, dites-moi, les décommés et tous ceux qui me suivent, est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de rats parmi circulant en plein jour? Parfois, hein, en 10 ans, quelqu'un peut voir un rat parmi et on va dire quoi? Eh, le malheur, c'est un malheur. Dites-moi un peu, maintenant beaucoup de rats parmi circulent en plein jour. En plein jour. C'est pas inquiété, pas les êtres humains. Les êtres humains ne vous calculent pas. On ne mange pas la qualité là. Et moi, c'est de comment Mougou qui vous dit. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est provoquer sa propre mort, oui. Manger un rat parmi qui circule en plein jour, un homme. Même quand on trouvait un rat parmi mort, en pleine nuit, les habitants du village avaient eu peur. Que qui va encore partir? Mignon minga cœur, mi plein de ça. Mais vous, vous d'accolisez les rats parmi qui circulent en plein jour. Et les rats parmi. Même dit qu'il cante. Il ne mange pas ça. C'est pas bon. Il ne sait pas si la chair des rats parmi qui circule en plein jour, si c'est la même chair que les rats parmi qui bougent dans la nuit. Non, c'est pas bon. Ça, c'est pas de comment m'oublier. J'aime les rats parmi. Demandez, on va vous dire, quand je vais au plein, je mangeais tout ce, je ne mangeais pas les histoires. Et assure au congélateur inconscient. À part peut-être que quand je passe chez Mungu, manger mon domba, oui, le mâchoiron, ça s'achète, hein, chez le poissonnier. Mais à part ça, les rats parmi que j'adore tant, la chair de ça, oui, mais les rats parmi qui circulent la nuit, pas le jour, les porcs qui piquent de ça, les gommes de ça. J'ai frappé. Donc vous voulez que je ne puisse plus aller me féliciter au pays? Vous voulez la Libye? Vous voulez l'ancien Rwanda? L'ancien Côte d'Ivoire? Pour que je reste ici, continuer à manger kebab? Heureusement, moi, je ne mange pas beaucoup. Renseignez-vous. Ceux qui me connaissent, moi, mon agent passe chez le Chinois, je mange africain. Je suis un bon africain. Je ne vais pas aussi dire que je ne mange pas la nourriture des blancs. Mais moi, le week-end, je suis un bon africain. Que Maïn m'a dit que je dis que. Maïn m'a dit ça là, je dis ça là. Maïn m'a dit oui, mais quand je veux vraiment manger du frais, Air France, pas 6 heures. Mais vous, vous mentez parfois que vous êtes au Cameroun. Alors que vous criez en longueur de journée que vous êtes dans la liste rouge que moi je n'ai jamais vu. Vous mentez le peuple, vous croyez que le peuple est bête. Donc c'est vous les bêtes. Donc mes décommés, mon évangile est terminé. N'entrez pas dans ces délits-là. Réfléchissez quand vous écoutez voilà des sorties voilà de certaines personnes. Réfléchissez d'abord. On dit souvent, j'ai toujours dit, ici, on tue. Ça veut dire, si tu es quelqu'un, tu as une longue langue. Allah peut fréquenter les cités. On va te tuer. Ou alors, on va te mettre là où il y a un pipoule, il va te défourer. Ouais. Si tu te comportes comme les Kamwa la panthère, les Nyat la panthère, les Kalipri, les Vassiro, les Betentatu, celui qui m'énerve là, parce que les autres,
Moi, je peux manger avec eux. Je peux on peut m'asseoir avec eux et discuter. Et les faire comprendre que oui, voilà aussi mon opinion. Il y a certaines de vos sorties, je ne t'accorise pas. Mais la seule personne, je ne peux pas m'asseoir avec, c'est El Chibouche. C'est un sorcier. Ouais, vous dites. Vous les combattants, je vous dis, El Chibouche, c'est un sorcier. Il est parmi les personnes qui concrétisent, voilà, vous dites. Voilà. Tandis que vous dites que notre père de la nation, hein, voilà. Tandis que le patron de Fumi Manang dit que notre père de la nation vit. Il est le père à nous tous jusqu'en 2025. À nous tous. Et pour ça, nous devons marcher au pas de la nation. Il y aura un moment pour faire des campagnes. Oui, et pour faire des campagnes. Dès maintenant, commencez déjà à aller dans les villages. Vous avez, les gens ont besoin de forage. Ne venez pas seulement à voir dans mon Dieu Vision pour dire quoi, vous allez changer de leur vie. Étant encore au présent, vous pouvez déjà changer la vie des populations pour qu'ils puissent vous trouver crédible et vous voter demain. Mais non, vous voulez le changement, je ne sais pas. Quel genre de changement en plein ou en mandat? Ouais. En plein mandat. C'est ce que vous voulez. Vous voulez le changement. Je ne sais pas. Moi, je vous ai dit, hein, la catégorie de changement, là, si vous faites des erreurs, Cabral ne va pas vous laisser. Les autres partis ne vont pas vous laisser. Ils ne vont pas vous laisser. Et on aura tout ce qui est macabre. Et là, je verrai ce que vous ferez avec le peuple camerounais. Donc, Biba, je continue à dire, c'est quand même macabre de tenir tout ce qui est peu souffrir vos comportements. Et vous êtes d'une vulnérabilité, je ne sais pas, inéliminable. C'était comme un mot qui dit, inéliminable tout simplement. Donc, Ibarra, bon appétit encore pour ceux qui sont en train de manger leur sandwich. Voilà, ceux qui se débrouillent, qui ont pu des pauses parce que tout le monde a sa boule. Big up à tout le monde.